Salut, moi c'est Nono, je suis comédienne. My only love sprung from my only hate. Two only things I know too late. Producer et réalisatrice. Coupée! Et je fais notamment partie d'un petit groupe de musique en juin qui s'appelle Nono et les Dubouchons. En même temps, tout le monde s'en fout. Hein. À part vous et vos familles, personne ne vous connaît. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. C'est en musique que nous avons décidé, avec Nono et les Dubouchons, de montrer notre soutien et de participer au projet Entourage LGBT. Action! Enjoy. Allez. Savez-vous pourquoi les pervenches ont des chapeaux en forme de truelle? Nous non plus. Raphaël, elle, la belle Emmanuelle, à son expo annuel, en haut de Tour Eiffel, elle dessine des aquarelles, à l'aide de pelles et de truelles. Emmanuelle, elle, et elle contractuelle, elle dépose des PV, en bas de la ruelle, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste habituel chez elle. Jusqu'ici, tout va bien pour les gens. Jusqu'ici, rien d'anormal, de très choquant. Jusqu'ici, tu te sens bien, c'est même marrant. Pourquoi le reste, pour certains, est alarmant? Raphaël, elle, explique son art conceptuel. Laisse échapper sa petite truelle, qui vient direct s'écraser sur le tapis d'Emmanuel. Raphaël, elle, excuse son geste accidentel. À la jolie contractuelle, qui ne voit que 36 chandelles. Emmanuel, elle. Des coups se font, c'est Raphaël. Angelo. C'est la queue née une étincelle. Que c'est beau. Dans les prunelles de demoiselles. Elle vécure heureuse jusqu'à la fin des temps. C'est tout ce qu'on souhaite à un amour naissant. Elle se marie hier et eut beaucoup d'enfants. C'est pas gagné malheureusement. Emmanuel, elle. Un topo d'âge superficiel. Qui défie le bouc à Charelle. Prenez donc bain dans un motel en regardant le journal de Claire chez elle. Raphaël, elle, vit dans un motel. Passe ses nuits à se faire chier en écoutant Bruelle dans cet espace intemporel. Elle taille des cure-dents avec un opinel. Raphaël, la lumière éclate. C'est inhabituel. Un cri provient de la chambre 104. C'est la jambe tabonnelle. Raphaël accourt. Et voilà sans secours. Défonce sa porte avec fureur, attrape le bras cambrioleur. C'est cet un coup de mouche, un coup que va l'être leur amour. Fou mal homme de rap tombe à genoux en lui clamant. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Allons-y, chantons-le gaiement. Raphaël, elle, un écolo obsessionnel. Trie les poubelles jusqu'à la moelle. Ça en est pression naturelle. Emmanuel, elle, quant à lui, colonel, a l'habitude de se promener le regard vers le ciel. Il observe les hirondelles avec sa paire de jumelles. Jusqu'ici, tout va bien pour les gens. Jusqu'ici, rien d'anormal, de très choquant. Jusqu'ici, tu te sens bien, c'est même marrant. Pourquoi le reste, pour certains, est alarmant? Emmanuel, elle, se prend les pieds dans une poubelle. Passe par-dessus une passerelle. La chute de rêve peut-être mortelle, si Raph ne l'avait pas rattrapée par les bretelles. Dans cet instant émotionnel, passe dans le ciel de tourterelle. Dans ce symbole universel, nos deux amants se sentent pousser des ailes et s'offrent un tendre baiser sensuel. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Allons-nous vous chanter à un moment? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas gagné politiquement. Savez-vous que la France est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? Nous non plus.